C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission À vous la parole sur les antennes de l'Intelligent TV. Bienvenue à tous et à toutes. Ce numéro épouse la couleur du temps du mois de mars, mois dédié à la femme. Nous recevons à cet effet Ruth Gbagbe, double médaillée olympique, championne du monde de taekwondo. Que représente la Journée internationale des droits de la femme pour vous? Alors, la journée du 8 mars représente pour moi une journée d'action, de sensibilisation et également une journée de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Le thème national de cette année 2022 met en avant la notion de l'égalité des droits. Avez-vous le sentiment que la question de l'égalité des droits est effective en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas effective, mais je pense que c'est sur la bonne voie parce que malgré l'instauration d'un cadre juridique, une sous-représentation de la femme dans certains domaines. Mais je pense que les choses se font de manière progressive et voilà. Comment comptez-vous célébrer cette journée? Bon, déjà, je pense que je ne vais pas dire, moi, je ne célèbre même pas même la journée. Je célèbre même tout le mois parce que tout le mois, je suis invité à des cérémonies de la ministre de la Femme pour partager mon expérience de sorte à motiver les femmes. Voilà. Le leadership féminin est-il mieux représenté dans le mouvement sportif ivoirien? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que championne du monde, double médaille olympique, il y a également Talou et Muriel qui ont des médailles au niveau mondial en athlétisme. Il faut noter également que lors des derniers Jeux olympiques, Tokyo 2020, la majorité de la délégation ivoirienne en sport individuel était représentée par les filles. Donc, je pense que ce sont des statistiques importantes qui montrent le succès de la Côte d'Ivoire sur l'égalité des genres dans le mouvement sportif. Vous êtes sportive. Pensez-vous que les femmes sportives et les hommes ont les mêmes droits en la matière? Je ne dirais pas ont les mêmes droits. Parce que, surtout dans le mouvement sportif international mondial, on note beaucoup d'injustices. Et je pense que également les résultats des filles, que font les filles, ne sont pas aussi médiatisés que les hommes. Également les récompenses. Par exemple, même il y a un fait qui s'est passé ici à Abidjan. Les filles footballeuses ont joué un match très important contre le Nigeria pour la qualification de la CAN. Mais je pense qu'aucune chaîne de télévision ivoirienne n'a n'a partagé ou a diffusé ce match. Et lorsqu'on regarde le maillot des Ivoiriennes, mais on se demande c'est un maillot de quelle année en fait. Le maillot n'a même pas été actualisé. Parlant des primes, là on n'en parle pas. Également, moi par exemple dans mon cas, je pense qu'il y a des médailles importantes que j'ai faites mais qui n'ont pas été récompensées. On va dire il y a plein d'autres choses, mais je ne pense pas que dans le milieu du sport, les filles sont égales aux hommes. Quelle serait la solution pour réparer cette injustice? En Côte d'Ivoire déjà, je pense qu'il faut une mobilisation de part et d'autre. C'est-à-dire, nous les femmes sportives et même les hommes sportifs, pourquoi pas, parce que c'est ensemble que tout, on peut tout arranger.
Donc, de la même manière que nous célébrons cette journée du 8 mars, les femmes, mais je pense que les hommes aussi doivent s'associer à nous pour cela. Pensez-vous que les femmes devraient diriger les fédérations de sport comme la FIF, le taekwondo ou autres sports? Ben pourquoi pas, bien sûr, une femme peut diriger, peut faire ce qu'elle veut même. Et je pense qu'il suffit juste de... Si, moi, pour moi, si elle est légitime, et puis il suffit d'ambition. Une femme qui a le leadership peut diriger une institution sportive, même la FIF, le football, le taekwondo, c'est possible. Avez-vous été mise en minorité par des hommes dans vos débuts? Non, jamais. Jamais. Je ne vais pas dire forcément supérieur, mais dans le milieu où j'ai grandi, j'ai grandi avec des hommes autour de moi. Mes amis étaient que des hommes. Lorsque je suis rentré à l'équipe nationale, c'est vrai qu'au départ, ils se demandaient c'est une fille ou c'est un homme. Mais après, bon, on m'a bien accueilli, les bras ouverts, que ce soit les hommes ou les femmes. En tout cas, moi, franchement, de toute ma vie, je n'ai pas vécu cette discrimination. Traoré, Charnel, Touré Clémentine et bien d'autres sportives dames, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir des femmes au sommet de leur art. Talou, Muriel Aoré, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire en athlétisme. Lorsqu'on regarde une Diamond League ou un championnat du monde en athlétisme, je vous assure que je suis vraiment fier qu'elles portent le drapeau ivoirien très haut. Parce que, voilà, elles font des performances exceptionnelles. Au niveau mondial, avoir une médaille, je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vraiment, moi, je suis vraiment fier d'elle. Je suis également fier de ma petite sœur Charlène Dupont. Et je l'encourage à continuer parce que je sais qu'elle peut également ramener des médailles au niveau mondial et olympique. Deux fois médaillée olympique de bronze, jusqu'où veut aller Ruth Gbagbi? Bon, à vrai dire, j'ai choisi de faire le sport. Voilà. C'est ma passion. Depuis petite, c'est ma passion. Et là, par la grâce de Dieu, je fais une carrière dans le taekwondo. Donc, je compte donner tout ce qui est en mon pouvoir. Je compte aller jusqu'au bout, en fait. Et je sais que je peux faire beaucoup encore. Je sais que je peux glaner des médailles. Je sais également... j'aime les challenges. Donc, je veux tout donner. Et surtout, je veux inspirer la jeunesse, en l'occurrence, les femmes. Et voilà, je veux tout donner pour mon pays. Tant que c'est possible, je vais tout donner. Vous pensez à une médaille d'or olympique? Ouais, une médaille d'or olympique, pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Parlons de votre actualité. Quel est le programme de compétition 2022 de Ruth Gbagbi? Alors, 2022, bon, je vais dire, je commence doucement avec des open comme des tests. Et après, s'enchaînent les grands prix, séries. Et je pense que le challenge le plus important pour moi cette année, c'est le championnat du monde et également le Grand Slam. Est-ce que vous pensez à la création d'une académie qui portera votre nom pour la transmission de votre savoir et savoir-faire? Oui, et je le dis tout le temps, je compte faire une académie et voilà, transmettre, même pas forcément que le taekwondo, mais à pratiquement tous les sports. Et voilà, une académie Ruth Gbagbi, on verra comment je vais appeler cette académie, mais je compte faire une académie dans le futur. Entre les robes et les pagnes, où vous vous situez? En d'autres termes, que préfériez-vous? Bon, je vais dire pagne, parce que avec le pagne, quand j'achète le pagne, je peux faire le modèle que je veux avec.
sur les réseaux sociaux, vous êtes Facebook, TikTok ou encore Twitter? Bon, je vais dire, je suis plus Instagram. Je sais pas, c'est bizarre, lorsque je prends mon téléphone, la première des choses que je fais, je vais sur Instagram. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'aime plus Instagram. Parce que je suis beaucoup sur Instagram. Snapchat, bon, j'en ai, mais je suis pas très active là-dessus. Mais je suis plus active sur Instagram. Un dernier mot à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous suivent aujourd'hui, je vous demande de vous lever, de vous mobiliser en cette journée dédiée aux femmes. Et sachant que la femme peut beaucoup de choses dans la société, il faut que nous prenions conscience de cela. Quel que soit le domaine où nous nous trouvons, nous devons être des leaders. Je vous remercie. C'est avec ce message que ce numéro de À vous la parole prend fin. Merci de votre attention. À vendredi prochain pour un autre numéro. Je vous souhaite une excellente journée internationale des droits de la femme.